we keep on. People. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtus, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un tout nouveau glitch d'argent illimité. Et donc ce glitch est vraiment très très simple, il est encore plus simple que l'autre. Il vous faudra tout simplement être deux personnes. Donc pour moi je vais emprunter Bad Gamers de l'histoire de quelques minutes, si je puis me permettre. Enfin bref, donc vous allez tout simplement vous rendre dans votre garage. Et avant de rentrer dans ce garage, je vais vous inviter à me rejoindre sur Facebook et Twitter. Donc tous les liens se trouveront dans la description. Si jamais vous cherchez une personne pour réaliser ce glitch, n'hésitez vraiment pas à poster un petit statut. Une personne se fera sûrement un grand plaisir et un grand honneur de réaliser ce glitch avec vous. Donc tous les liens se trouveront dans la description. Donc dans ce glitch, les deux personnes qui vont réaliser le glitch vont tous les deux devoir réaliser une manipulation. Donc moi je vais réaliser la manipulation du conducteur, donc celui qui va vendre le véhicule, et Bad Gamers va s'occuper de la manipulation de la personne qui va s'occuper de dupliquer la voiture. Donc vous allez tout simplement monter dans la voiture que vous souhaitez vendre en illimité au prix le plus fort. Donc pour moi j'ai tenté un truc sur la vidéo, donc faites vraiment pas attention. Donc votre ami en tant que passager devra tout simplement faire flèche du bas afin que le message quitté apparaisse et va tout simement rester sur le message quitté. Donc je tiens à préciser que vous devez mettre en accès véhicule passager, et une fois que vous avez mis accès véhicule passager, vous rentrez dans votre garage et vous demandez à votre ami de faire flèche du bas. Vous allez tout simplement accélérer, et quand vous allez accélérer et voir que vous commencez à sortir du garage, vous allez tout simplement demander à votre pote de faire B. Si tout se passe bien, votre pote sera toujours dans votre garage avec la voiture que vous venez de sortir, avec laquelle vous venez de sortir. Donc pour moi c'est le Dubstar. Une fois que cela est fait, vous allez tout simplement faire un petit tour de quartier histoire d'abîmer légèrement votre voiture, et une fois que vous avez abîmé légèrement votre voiture, vous allez tout simplement re-rentrer dans votre garage. Donc si la manipulation a bien fonctionné, vous allez pouvoir voir que la porte du garage va se refermer. Si elle reste ouverte, le glitch n'a pas fonctionné, vous devez recommencer. À ce moment là vous allez tout simplement vous rediriger vers le point bleu qui se trouvera au fond de votre garage. Donc pour la revendre au prix le plus fort, vous allez tout simplement acheter une Elegy RH8 et faire le glitch avec la Elegy RH8, étant donné que depuis la mise à jour avec des améliorations on peut la vendre, et du coup ça vous permettra de vendre votre voiture au prix le plus fort. Et du coup après vous allez vers le rond bleu et vous sélectionnez le Dubstar et vous remplacez par la Elegy RH8. Donc vous allez le voir sur la vidéo, moi je sais pas ce qui m'a pris d'ailleurs, je suis parti retourner vers le point bleu, j'ai changé mon Dubstar contre le rebelle, je pensais que ça allait le redupliquer encore une fois. Pas du tout, j'ai fait une grosse erreur. Et donc je tiens à préciser que votre pote ne pourra pas bouger, il ne pourra absolument rien faire, il pourra tout simplement regarder, il sera figé. Pour le sortir de ce bug, il vous faudra tout simplement vendre le Dubstar ou la voiture dans laquelle votre pote se trouve, donc pour moi le Dubstar. Et donc maintenant vous n'avez plus qu'à vous rendre au Los Santos Custom pour vendre votre voiture, et après vous n'avez plus qu'à recommencer cette manipulation en illimité. Donc voilà, ce glitch est vraiment très très simple, donc il y aura un tuto détaillé dans la description pour ceux qui le voudront. Si jamais il y en a qui n'ont pas compris, je vous invite vraiment à poster un petit statut sur mon groupe Facebook si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser ce glitch. Donc on est bientôt 4000 membres sur le groupe, donc je pense qu'il y a quand même moyen que vous puissiez vous aider à réaliser ce glitch. Donc vous faites deux fois chacun, une fois chacun ou cinq fois chacun, vous voyez vraiment comme vous voulez. Et du coup, voilà, donc je pense avoir tout dit pour ce glitch, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt, allez, ciao bye bye tout le monde.